Psychology significance. Oh, il est cool ce livre. Il parle de baleines. Et ça tombe bien parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne L'Argonaute, la chaîne qui parle de plongée et de vie sous-marine. Alors aujourd'hui c'est un format vlog et on va s'attaquer à un sujet un peu spécial. J'ai eu la chance de passer une journée entière avec la fondation de conservation de Saba que tu avais déjà vu dans la vidéo précédente avec les oursins. Mais aujourd'hui on s'est attaqué à un truc un peu plus gros qu'un oursin. On est allé écouter le beat des baleines. Et en fait, on est même allé poser des microphones pour pouvoir repérer les baleines quand elles viendront faire leur petite migration et puis essayer d'en apprendre un peu plus sur elles. Pour ça, comme la dernière fois, je vais être en compagnie d'Ayumi, c'est elle qui va tout nous expliquer. Allez, Ayumi. Ayumi. Here. Je crois qu'elle est là. Hop, hop, hop. Hi, Ayumi. Well, before we start, thank you for inviting me to this project. It was a very nice and very interesting day. Always welcome. Thank you for your help. So, I bring you something. Oh, oh no, that's the wrong one. That's the best one. It's a chausson aux pommes. Apple flop. Chausson aux pommes. Apple flop. We say chausson aux pommes. We say apple flop. I give you my back. I have a gift for you as well. Oh. Yeah, it's pretty cool. It has all the marine mammals in the Yarari sanctuary. Oh, really? But these are all the species that we've recorded so far. We have the sperm whales, yes, the season already just started. We've been seeing the humpback whales quite a lot. Celle-là, là. Tu vois là en bas, baleine à bosse. Baleine à bosse. I just explained on a video we are going to putting this microphone in the water. Mm-hmm. It's kind of cool. But definitely. Actually, could you explain to me why are we doing that? The reason why we are putting the microphones on the water, the hydrophones, is because we have a lot of marine mammals and recording their presence, so their sounds, we can distinguish which species are actually here in our waters. Pretty really interesting. You can make the difference between the species just by listening to their songs. And that's very important because right now we are a Yarari marine mammal and shark sanctuary. So for us to protect those species, we need to know which ones are here. Through noises, we can also know if there are different males of whales here singing on the same event. Maybe the size, yes. If you have some young one or adults. Yeah, so the adults definitely sing. I think the baby whales, they also make sounds, but they don't have a song yet. But I'm not sure. I'm close, isn't it? You could be a whale. So we have some sound. Definitely, you should. On va écouter un petit beat de baleine, là. Petite baleine. That was a very loud one. So this whale, I think it was very close to the hydrophone. Yeah. Oh, so when you say it with the other guy underwater. So that actually is the purpose of the video. I want to show to you all of the process, you know, because for having this kind of sound, well, it took us some work, isn't it? It definitely did. Yes, it took a whole team. Yeah. Yeah. It was a bit like. I was pretty nervous. Yeah, but. Everything eventually it went smooth. We did everything perfect. It was just great. Just a few mistakes. But... Actually, for me, it started some weeks ago on my plane. Going to my room, not my room. That's very inappropriate. And yes. Actually, it was on my kitchen. Yeah. Anyway, everything for me start on my apartment when Ayumi started to explain to me all of the project. And honestly, I was freaking out too. Je vais te montrer pourquoi est-ce que j'étais un peu comme ça. Des petits protos. Flashback. I can't promise you to see a tiger shark, but the first dive on the Poison Bank, that's where we caught all the tiger sharks for the European Space Agency. My mom's gonna be very angry. Yes, I know. Yeah, I like this work. It's very stressful, but it's very nice. A few moments later.
very technical. We're gonna have a lot of rope, a lot of materials in the water. We're gonna have 4 divers in the water, and there's gonna be a 5th, which will be Kevin with his camera. The bucket and the lift bag together and send back up. So first dive. Requin tigre, requin bulldog, courant et plongée à 40 mètres. Oui, oui. They all have a lot of experience. Un petit peu. Petit peu. Yeah, they're good. Yeah. What could possibly go wrong? Donc là, je suis encore au centre de recherche. Ils viennent de faire un briefing. Entre nous, ils m'impressionnent un peu parce que ils vont quand même aller à 40 mètres avec des lestes, un lift bag et un gros microphone pour déposer des trucs dans du courant. Petite pause. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que depuis le début, je t'explique que plonger à 40 mètres, c'est compliqué et c'est dangereux, mais en fait, je te dis pas pourquoi. Ce qui se passe, c'est que plonger à 10 mètres et plonger à 40 mètres, c'est pas la même chose. Parce que plus on va profond et plus on va accumuler d'azote. Ce qui fait qu'on peut rester beaucoup moins de temps. Pour te donner un ordre de grandeur, à 40 mètres, je ne peux rester que 9 minutes. Là où à 10 mètres... Donc s'il y a le moindre grain de sable pendant ces 9 minutes, ça peut remettre en cause tout le projet. Et ça peut même nous mettre en danger. Bref, je t'en ai pas plus longtemps. Si d'aventure, un requin venait montrer sa fif... Tiens. Tiens, tiens. Dans les costilles. La gardère, tu vois. Ça va être une bonne journée. Bon alors que je t'explique. Là on va aller embarquer avec l'équipe de la fondation de Saba. On est avec le Queen Beatrice 2. Et entre nous, ça fait des petits proutes quand même. Hein. Je sais pas. Et là, je vais te montrer justement les deux microphones qu'on va poser pour écouter les baleines. Juste ici. Tu fais ? C'est avec ça qu'on va entendre DJ Whale. Right there. Oh, good night. No, this is flat side, so it doesn't roll as much. Do you want to wait us? Yeah. Thank you.
bah bienvenue pour la conclusion. Hein, on s'est quitté sous le 140 mètres. Et puis là, eh ben, on est à la conclusion de cette vidéo. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, bah, c'était une petite tranche de vie, une journée à Sabah, où je suivais justement Ayumi quand on allait déposer ses microphones. I want to say thanks to Ayumi because she offered me a seat on the board for doing this video. So thank you. Well, I'd like to thank you for coming along with us. Thank you. Yes, always welcome. Yeah, thank you. So if you're interested about that, you can find the Dutch Caribbean Database. The Dutch Caribbean Biodiversity Database. I will put the link in the video. Below. Yeah. And please don't forget to subscribe if you want to continue to learn more about the Sabah project. Mm-hmm. And at the end of the month, I will put a big documentary that was just a small vlog where we are going to talk about, well, regulation of species. Mm-hmm. Wait. Not well. Okay. Not well. Anyway, thank you for watching. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me suivre et à t'abonner à Argonautes Plongée. Yes. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram à Argonautes Travel. Et puis n'hésite pas à commenter si tu veux avoir d'autres informations. Et aucun truc n'a été molesté durant cette plongée. Je te retrouve à la fin du mois pour un autre petit documentaire. Merci une dernière fois à Yumi. Et puis comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao. 5 minutes later. À propos. Chaussons en pomme. Apoplop. Eh, déjà, tu vas commencer par me parler poliment. C'est C'est chaussons aux pommes. C'est hein? Chaussons aux pommes. Chaussons. Chaussons. Aux pommes. Aux pommes. Et après, Apoplop. Apoplop. It's just Apoplop. What is that? Une bite. Bite? Yeah.